À 10 jours de l'ouverture du Salon international de l'étudiant africain, toutes les équipes sont à pied d'œuvre ici à N'Djamena. Cette longue ligne droite est en quelque sorte l'apogée d'un travail de longue haleine mené depuis plusieurs mois. Nahir Abakar, le fondateur d'Afrique Campus et organisateur de ce salon, nous parle de cette période préparatoire. Le salon a été pensé en septembre, donc le temps de le mettre sur papier. On peut compter en octobre et ensuite on a commencé vraiment à travailler, à réunir l'équipe en novembre. Donc maintenant on peut dire que le salon a été pensé depuis 4 à 5 mois. Et ça fait plus de 4 à 5 mois qu'on travaille pour réaliser ce grand défi. Cette première rencontre internationale organisée par Afrique Campus s'articule autour de 4 axes. La mise en rapport entre étudiants et écoles, l'orientation académique, la promotion des métiers et de l'entrepreneuriat et enfin le volet conférences, débats et ateliers. Plus de 50 000 étudiants et 52 écoles tchadiennes et étrangères sont attendus le 23 février, jour de l'ouverture du salon. L'activité du salon se déroulera principalement sur deux plateaux. Le premier est le village des entreprises. Sur ce site, les grandes entreprises tchadiennes et les institutions de l'État viendront promouvoir les métiers qui composent leurs organigrammes respectifs. À l'intérieur du palais du 15 janvier, le second espace est celui dédié aux écoles et aux universités. En parallèle au village des entreprises et à l'espace des écoles, le Salon international de l'étudiant a prévu des conférences, des débats et des ateliers pratiques. Avec beaucoup d'acharnement, on a réussi à dégoter les meilleurs conférenciers, comme par exemple Francine Muyumba, qui est la présidente de la jeunesse panafricaine, ou encore monsieur Lionel Zinzou, qui a été candidat à la présidentielle au Bénin. Donc je pense qu'on a réuni les meilleurs conférenciers pour réaliser un très très bon salon et surtout proposer à tous ces étudiants-là qui vont faire le déplacement des conférences de qualité. Pour toutes les informations concernant le Salon international de l'étudiant africain, retrouvez-nous tous les jours sur tous vos réseaux sociaux avec le hashtag SIEA. À très bientôt.